deux jours après installation conseil présidentiel là, gros manœuvre Gintan a mette en place pour jeter mesdames et messieurs. Qui te m'di ou, information nous gen là, pral fort saisi et ou pral pren plaisir ou tout pour tende. Ça nous pral expliquer ou là, mesdames et messieurs, en ce qui a trait à conseil présidentiel qui à peine monté pour remplacer Ariel Henry là. Yon l'autre bo qui te m'di ou, nan Jérémy, mesdames et messieurs, bagay ça fait un pile moun saisi. Yon kidnapping spectaculaire qui fait, qui est-ce qui fait? La police. Qui moun? Yon ti bébé. Nous pral vin expliquer ou, nan ki circonstance, mesdames et messieurs, kidnapping sa fait nan ville Jérémy. Met Caleb Jean-Baptiste fâché, l'estomaké. Chat koné, rat koné, barik maïe apprêté là. Met Caleb Jean-Baptiste paré pour le rendre la vie conseil présidentiel là difficile, mesdames et messieurs. L'agent indépendance pays d'Haïti a li refait surface nan international là. Ou pral tande, kob la France lui-même te prend nan men pays d'Haïti après nous te fin bat yo, après nous te fin prend indépendance nous sou yo. Et c'est tout média international qui a parlé de causer ça. Ou pral le temps des détails, ou pral le temps causer sous question l'agent d'être indépendant. Gros bonjour, gros bonsoir à tout le monde. Nous comptons rentrer la caillou, Jean Remedil, Bouik chargé pas campé, et c'est gros réseau qui rive la caillou dans mon appali. Mesdames et messieurs, fanatiques, amis internautes, quelques jours après installation conseil présidentiel là, dans le moment où on a parlé là, samedi 27 avril là, conseil présidentiel là, il commence à sentir bagay yo pa douce pour lui. Conseil présidentiel là commence à douter. Membre conseil là a posé tête yo question, est-ce que yo te fait un bon choix, mesdames et messieurs? Qui s'est passé? Le nous connaît qui quantité de défi qu'après tant conseil présidentiel là, surtout avec feuille de route yo gen nan meyo sous ensemble de temps yo pral gen pour yo passer dans tête pays d'Haïti qui ça yo gen pour yo faire comment yo pral faire fanatique zami internaute. Eh bien qui te me dit ou nan moment nous même n'a parlé là gagné gros coalition qui déjà a monté dans objectif dans l'idée pour eux-mêmes yo capable joindre un bout ou encore joindre un bout conseil présidentiel là. Si nous t'a gardé ensemble de missions conseil ça li gagné. Premièrement, conseil la gagné pour li mettre sécurité dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, qui c'est youn nan déshydrata population ça qui c'est une pi gros problème peuple haïtien a confronté dans moment. D'ailleurs c'est une bagay yo plus besoin, c'est une bagay yo plus attendre dans moment n'a parlé a. Et le conseil présidentiel li pa gen droit pour le faire dans question sécurité a. Yo pa gen droit, mesdames et messieurs, pour yo même yo passé à côté nan question sécurité a. Parce que si sécurité a li pa géré, si problème sécurité a, mesdames et messieurs, li pa arrivé géré, faut que moi di ou tout reste mission conseil présidentiel la gen la li pral impossible pour yo ta manyen yo. Parce que problème sécurité a, mesdames et messieurs, faut que moi dise ou c'est un problème transversal parce que li implique tout l'autre bagaille qui gagne dans le pays d'Haïti. Si nous prenons exemple élection qui pour organiser ou encore bien avant référendum qui pour organiser, nous connaissons comment référendum en fait c'est une sorte de vote, c'est avis population qui pral
bail sur un sujet pour dire si yo d'accord ou bien yo pas d'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, fanatiques, amis internautes, pral genye pour référendum nan organisé pour que le pays a gen la paix. Parce que, m'a demandé tête moi comment pral di yon moun ki sorti nan Kafou Fey, comment pral di yon moun ki sorti nan Magro Ambraz, comment pral di yon moun ki sorti Belè Matisan, Kafou Fontamara nan moment sa la pou yo passe, pou yal ran yo nan bureau, pou yal bay avi yo sou yon et quelconque projet de loi qui est pour la constitution. Parce que référendum, non, li pa vote, mais c'est plutôt avis. Ou ka toujours dit, j'en voulais, mais vrai sens, c'est avis, yo bay lan référendum. C'est une position au prend. Ou capable dire, c'est même avec vote là, avec question élection. Son position au prend, mais chaque thème yo gagne propre. Et mot, chaque concept, yo, yo gen jargon là-dedans, yo. Eh bien, mesdames et messieurs, comment pral di moun sa yo pour yal participer pour Jean en bas la ville là et là pour di yo al nan référendum? Deux, yo pral genyen pour yo organiser élection qui doit passer par mise en place de conseil électoral provisoire, KEP. Eh bien, pour élection organisée, faut que problème sécurité a li géré. Donc, ou pas qu'à organiser élection dans le pays d'Haïti là, côté ou pral mette bureau vote yo, côté ou pral mette, mesdames et messieurs, bureau yo, et qui côté candidat yo pral mene campagne. Qui côté candidat yo pral camper pour yo adresser avec population et qui population, parce que c'est une population qui divisé, c'est une population chaque moun ap gade côté ou ka jete yo. Est-ce que vous pensez nan problème peuple sa la yo pral gagner pour yo chita ap tande yon leader, ap tande yon candidat k'ap vin di yo l'el chef li pral fè cause pour yo, k'ap vin di yo l'el chef li pral gade comment, pas même pral gade comment li pre avec yon ton rassurant, avec yon ton ki fèm, yo pral vin promettre, yo pral fè si, yo pral fè ça. Mais ki bon yo pral camper, ki côté moun sa yo pral lié pour yo di parole ça, ki côté yo pral camper, mesdames et messieurs, pour parler avec population, là nous connaît population ça qui nan kouri en pile moun se kay moun yo fè la descente nan moment n'a parler, mesdames et messieurs. Et bien, comment on peut demander moun sa yo pour yo vin nan meeting, pour yo vin chita ou bien camper devant yon leader kap vin ba yo parole? Pa gen sécurité, ça pa ka fèt, mesdames et messieurs. Et problème sécurité a, j'aime so di a li engendre tout l'autre yo, d'où la nécessité du conseil présidentiel pour le mettre accent sous sécurité avant tout bagay. Eh bien, yo déjà a gratté tête yo là. C'est vrai, international là dit que yo paraît pour yo vinn bay kout men à conseil présidentiel là, yo paraît pour yo vinn chita et voyer force multinationale là vinn combattre insécurité dans pays d'Haïti. Mais ou obligé à poser tête ou question, est-ce que le pas probable, est-ce que le pas possible pour mandat conseil présidentiel ça a fini ou est force multinationale ça il pas arrivé dans pays d'Haïti? On veut dire qui ça? Gagné premier ministre à l'époque là, docteur Ariel Henry, qui t'a pral formuler une demande auprès des auprès des autorités, auprès des dirigeants de la Nations Unies, ONU, la personne de Antonio Guterres, qui t'a pas recevoir la demande Ariel Henry pour dire que dans sa pays d'Haïti, à vivre là, il a besoin de support comme membre de l'ONU. Il a besoin d'un coup de main dans l'ONU. Eh bien, fanatiques, amis internautes,
nous t'a pral ouais démarche qui entreprendre pour que faut ça li rive. Mais l'ONU te dit non, c'est pas eux même qui a vini, si gon pays qui voulait vini, il y a bal autorisation, il y a bal yon mandat, il y a mandaté pour le vini, mais au pas vini. Nous t'a pral ouais divers pays t'a retiré koyo. Par exemple, les États-Unis te dit non, yo pas capable. Le Canada, yo pral mande est-ce que le capable vinn ba écoute, mais Canada dit gen problème Ukraine nan ap jere là, nous pas ka nan question Haïti encore. La France bon côté parle, li pas même parler de cause a. Au contraire, yo t'a encouragé. Eh bien, nous pral obligé tant arriver Kenya comme un pays africain qui pral décider, mesdames et messieurs, pour le dire, pas gen problème. Eh bien, noir pour noir, ma baye yon coup de main à pays d'Haïti. Et c'est là, nous pralwe, à travers résolution 2699 qui adoptée dans le mois d'octobre 2023 par le Conseil sécurité de la Nations Unies. Eh bien, mesdames et messieurs, nous pralwe Kenya gagne autorisation pour le river par ici. Nous pralwe Kenya gagne droit pour vinn mener mission. Mais nous songe qui problème Kenya confronté avec la justice à Kaili, autorité judiciaire dans pays Kenya qui péripétie yo fait dossier ça passer dans tiwayo et au final yo pral bay autorisation. Mais après autorisation gagner, eh bien coup force là. L'aime parler de coup, m'a parlé de l'argent, m'a parlé de économie. Force là a besoin pour lui-même lui survivre en Haïti, pour lui faire travail en Haïti. C'est déjà 600 millions de dollars qui prévoit pour que conseil en dit force multinationale là vienne faire travail en Haïti. Et dans moment on a parlé à sous 600 millions hein, pas même gagner 200. Pas même gagner un pays qui baille pour ta gagner 200, c'est seulement les États-Unis qui a collé pied pour si au cas où un petit cop, si au cas baille un petit cop. Le Canada te promet, la France bon côté parle te dit baille, Japon te dit baille, mais nan moment on parle ya yon nan comme ça ou pour arriver sous un compte quelconque ou bien nan mais autorité qui t'a dû assurer, mesdames et messieurs, coordination force multinationale dans le pays d'Haïti. Mais problème sécurité a dit capable grave et capable cause échec conseil présidentiel là. Mais faut conseil présidentiel là qu'on est yo pa gen yon carte blanche. Et nous dans un état entre parenthèses démocratique. Nous dans un état démocratique, yo pa gen yon carte blanche. Et mais qui ça passe? C'est que après prestation de serment conseil présidentiel là, déjà gagné des organisations politiques, des structures politiques qui ont gardé si on a entendu là comme pas gagné opposition dans la rue. C'est même monsieur dame qui était sous béton qui pral décider rejoindre CARICOM dans question conseil là. L'un konne met béton, yon ek tankou Moïse Jean-Charles. Rat béton, en bien, mesdames et messieurs, fanatiques, amis internautes, li tap pral trouvé nan obligation pour rentrer dans le conseil présidentiel là. Et jodi a, fanatique yo, monsieur sa yo, yo pa nan la rue encore. Eh bien, gen des structures, gen des organisations politiques qui déjà ap range yo là pour yo commencer frapper conseil là. Eh bien, c'est le cas, eh bien, parti Réveil National qui gagne là-dedans Jean-Tel Joseph Guy Philippe. Eh bien, Guy Philippe qui c'est n'est capable de dire choix malheureux. Yon série moun, yon série secteur qui te quoi que c'est Guy Philippe qui capable vin président conseil là. Eh bien, je dis à Guy Philippe dormi dehors et yon montre Guy Philippe qui a pêché poisson. Guy Philippe perdu combat. Mais Kounia, Guy Philippe, tout le monde t'a remé qu'on est, qui positionne, qui ça le pral fait à question conseil ça, comment le pral comporter sous scène politique là.
qui s'alpera le fait pendant 2 années conseil présidentiel là pral gagner pour le passer dans tête pays. Comment Guy Philippe pral comporter sous scène politique là, mesdames et messieurs? Eh bien, information, c'est que Réveil National déjà arrangé là pour que zami internaute fanatique yo occupé béton et prend tête opposition. Parti qui gagne Guy Philippe là dans l'an, yo déjà arrangé, yo déjà gagné gros compromis qu'a fait, gros mise en place qu'a fait pour yo même yo commencé fouler béton, yo commencé prendre tête opposition et rendre la vie impossible à conseil présidentiel, ça pas bon ici nèg yo relé coulève cette tête de ke. Coulève cette tête de ke. Oh enfri. Eh bien, mesdames et messieurs, bande Guy Philippe là, partisans Guy Philippe yo, yo déjà a mobilisé mesdames et messieurs pour yo rendre impossible la vie conseil présidentiel là. Et Jean-Tel Joseph lui-même, ancien DG ANAP là, qui t'a pris une révocation par gouvernement Ariel Henry, qui c'est cavalier Polka Guy Philippe, qui c'est bois droite Guy Philippe, eh bien, monsieur Sayo, yo déjà paré, yo déjà ap mobilisé pour yo frapper conseil présidentiel là, mesdames et messieurs. En tout cas, nous allons quitter suivre comment ça l'a déroulé et qui parole Jean-Tel Joseph t'a prononcé. En suivant ensemble. De mobilisation, de doctrine. Je veux dire, nous te disons les non-anciens. Nous te disons, nous pas annonçons un coup d'État. Si nous tapons un coup d'État, nous t'appelons, nous t'appelons pouvoir déjà. Nous pas annonçons un coup d'État. Nous annonçons une révolution pacifique. C'est-à-dire, nous faisons des guides. Nous accompagnons le peuple nous pour nous retirer dans l'orbeille que nous avons. Nous avons souhaité que le système. D'ailleurs, nous nous engageons dans un combat contre le système. Et le système est présent partout, dans la presse, dans la classe politique, dans la société civile, dans le secteur économique. Et quel que soit côté secteur à venir, nous campons quoi en face nous. N'a pas attaqué nous, n'a combattu parce que notre combat c'est combat, c'est son combat pour libérer le pays. Qui joue la privée, joue la privée, ou à connaître parce que nous ne sommes pas pour l'État. Mais c'est la stratégie, la politique et la science de stratégie, n'a fait stratégie, peuple nous bat nos mandats, peuple nous accompagne nous, n'a libéré le peuple. Je garantis ça, n'a libéré. Première phase bataille là, c'était pour mettre Guy Philippe sous pouvoir. Pour la deuxième phase là. Vous vous trompez, mon frère. La première phase de bataille, c'était le renversement d'Ariel Henry au pouvoir. Et deuxième phase là, Pignard. Est-ce que Josiane nous capable de dire que oui, c'est consortium, c'est Revella qui met Ariel dehors, puisque nous connaissons depuis 29 février, groupe civil armé, entamé un mouvement armé côté on dit que. Pour Ariel pas retourner dans le pays et que ça qui est arrivé ici. Est-ce que je ne jodi à nous capables de dire dans le réveil, dans le consortium, que c'est nous-mêmes qui renversons Ariel Henry? Est-ce qu'il y a une fierté pour nous dire ça? Quel est le rôle d'un leader politique? Quel est le rôle d'un groupe politique? Est-ce qu'on dit ça? Répondez pour nous. Rôle d'un groupe de leaders, son rôle d'orientateur. Et moi dis, pour avoir une révolution, il faut des révoltés. Révoltés, il faut que des gens qui ont endoctriné les gens. Il faut que des gens qui ont lancé des messages et des messages appliqués. Rappelez-vous, ici à même, nous devons combattre les journalistes qui sont là. Qui était là, qui était présent au moment où le Réveil National pour la souveraineté d'Haïti a lancé un message, on a côté nous a annoncé, qui ça nous a annoncé? Nous avons lancé, nous avons lancé un message pour déorder honnête, le peuple contre le système. Le peuple a répondu. Et mon paquet de journalistes qui est présent là, dans la salle là, qui était là,
de nous lancer opération de l'on pas de côté pour leader, l'on pas seulement de faire de l'autre. Qui est le chef? Ou chef de l'autre capacité pour faire l'ordre ou exécuter. Le réveil avait lancé un appel pour que nous dit Ariel a prêté côté de lui. Le peuple a répondu, de peuple Ariel est tombé. Qui a son dévoté? Nous sommes jeunes garçons d'avenir, alignons dans notre peuple là. En tout cas, nous sommes tendés gens tels, nous sommes gardés et nous comprenons. Dernière question ça, monsieur, il n'a pas fini trop en mail et nous voyons comment le répondre, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes tendés gens tels. Là, ils ont déjà dit ou ils ont déjà annoncé ou comment motivation. Béton a lui-même li pralié nan jou k ap vin la. Donc opposition c'est un fait normal. Opposition c'est yon nan aspect alors qui en dans système politique démocratie. Eh bien mesdames et messieurs qui bay droit avec opposition. Divergence de position, divergence d'idées. Donc, li pa tap mal. Mais kounya, c'est comment opposition ça pral constitue, mesdames et messieurs. C'est comment opposition ça li pral frapper sous béton. Est-ce que c'est même type d'opposition Moïse Jean-Charles là? Est-ce que c'est même façon Moïse, te qu'on a fait dans la rue, on nous pral fait, comment ça pral passer? Eh bien, nous pas connaît. Mais, conseil présidentiel là, il y a tant qu'on est qui sa captain ni. Il y a tant qu'on est, béton pas facile. Béton pral commence à lever à partir de un moment à un autre. Mais, on regarde. Gagné conseil présidentiel là gagné 60 jours pour commencer poser action depuis installation 60 jours a il commencé depuis jeudi 60 jours l'a compté mais kounya qui action gouvernement pral commencer poser et comment il pral faire en pile monde dit que gouvernement ça premier bagay li ta doué opter nan mode d'action yo c'est la transparence. Faut gagner transparence nan action yo, pas vinn faire des actions anti koulout, ti bagay secret ka fait. Mais c'est mettre peuple là au courant. Sa Jovenel Moïse li même pas fait à un moment donné et peuple ça yo te monté tête li contre gouvernement Jovenel là et par la suite Jovenel pral commencer caler je peuple là l'elle commencer à mesdames et messieurs révéler une série d'informations. Eh bien conseil présidentiel ça mesdames et messieurs li gagnen bagay nan mel comment le pral faire nous pas connait et nous constater gen moun ki gen tap di oh oui nan conseil mentor pas nan bagay comme ça nèg yo pas même rele même. Hein, balan conseil en fait. Il tendait me tendait parole là. On gagne pile nèg qui dans média là, qui est entré dans conseil selon information. Et bien c'est pas seulement Jean Tel qui t'ai parlé. Gagne Maître Caleb Jean-Baptiste
qui déjà annoncé déjà la couleur, mesdames et messieurs. Entendez, M. Caleb. Nous saluons le peuple haïtien. Monsieur Journaliste, vous avez un petit silence. Là, il est bon là. Natio, avec monsieur cette dame, avec monsieur cette tête ça yo, monsieur Damio, monsieur Dame ça yo, chaque connaît, Bagma y a été là. Natio, demande qui mon, faire couper faire. Monsieur Valéman, non. Si je dis, et maintenant tu t'as couvri nous, cadavre nous, je t'avais constaté là, parce que nous sommes dans le pape, nous puissions frapper nous. Nous frapper nous, mais nous répondre, la nature répond, et puis je dis, faut faire ça quand même. Et toute force nature, au goût ferré, au goût balen tout. Tout ça nous va, ouais. Tout ça nous va, ouais. Nous pas. N'en déplace pas avec et madame Poto qui sont chrétiennes, mais nous-mêmes nous ne croyons pas, nous ne frappons pas. Il même dit qu'il ne croyons pas, nous-mêmes dans le bloc là, nous ne croyons pas, nous ne croyons pas, ça a prié, ça a jeté, jeté. Bon, monsieur Damien attaque nous, la presse, machine nous crase. Mais nous te gardons comme ça. Je te dis, conférence ça est annoncé. Est fini, est fifi à nini. C'est ça, vous dites. Mais n'est-ce que je veux beau sale? Monsieur Damien, je veux beau sale, oui? Dans le conseil présidentiel là. Mais au goût Balen Djo là, au goût Ferraille là, les Ilidantois, les Ilidantois là, la nature là, mais pas ici là, bataille là, mais n'est pas bataille pas nous. C'est bien côté, ma carrière. Bon, objectif conférence de presse ça, j'ai madame Rebecca Potodil, qui c'est une dame missionnaire qui est dans le bloc là. Qu'a prié, les n'a jeté de nous-mêmes. Quand Jacques Mungé croyance par eux, il était annoncé déjà. Nous avons ensemble action légale que nous entreprendre et nous allons continuer à entreprendre. Qui ça y est? Dans le bloc avocat, dans le MUDA, côté Maxon, Polit déjà parlé, Diaspora déjà parlé. Nous allons citer dans le tribunal correctionnel sept messieurs, dames. Ça y est. Mais monsieur, dame, depuis le commencement de la bataille, là, le commencement de l'installation, nous avons fait un mauvais geste, pas vrai? Quand Tichine m'a montré tout toi, lui. Oh, Leslie Voltaire, même, ouais, soit regardez Leslie Voltaire, après monsieur, son nez qui remet tout pour quoi? Même dans le costume, monsieur. Ouais, tout toi, là, monsieur, dit, bon, tout toi, lui. Ça veut dire, même dans toi, monsieur, va quitter pour petit jeune pour aller à l'école. Avec tout, quand on est dans l'argent, comment ça va passer? On est qui architecte qui bien formé, papa. Mais son nèg, ou quand on est qui remet tout bagaille pour lui, il dit, bon, tout toile moi. Nous qui est docteur Gérard Gilles, un docteur expérimenté qui nous remet. Mais docteur Gilles, pays à quoi, on est qui sont entrés là? Ou t'as quitté ça pour pasteur qui était dans ce conseil électoral là? Nèg, ou est tout le monde qui dit, monsieur, mais ça t'a fait, c'est l'argent, t'a pris. Ou même docteur Gilles, quoi, que ça a sous tête. Et Galé Blanc-Fils, c'est qui sont rentrés quoi là, c'est la tête Galé Blanc-Fils. Fous ça, font jeune qui ça nous rentrer quoi nous là. Monsieur, dame, je ne vais pas faire rien pour nous dans le bloc avocat. Non, je ne vais pas faire rien pour nous. Nous tous, pral, répondre, question la justice pour usurpation de titre et des fonctions. Nous sommes déjà sommés, citation pralé dans les heures qui viennent. Parce que. Messieurs, dames, ça ne pas respecter la loi, ne pas respecter la constitution, vous fait tête au passé. Nous avons des conseillers présidentiels, constitution 1987, là, pas jamais prévoir bagaille ça. Et nous avons commencé à agir au nom de l'État ici. Nous avons dit, l'on va qualité selon la constitution, ou pas gagner pour engager l'État, et nous allons attaquer pour usurpation de titre et de fonction. Pour l'autre ministre, qui était la première ministre, qui par contre, a publié dans le journal PIA, les moniteurs, yon charabia. Entendez, yon relé, arrêté, conseil des ministres, gagné les décrets, yon tel, on va comme ça, yon parle tout. Ce sont des nuls, nek, ça, yon tel, nous pral yon même, nous pral porter plainte pour le cabinet d'instruction, pour
membre CPO, c'est citation directe correctionnelle fait pour contrôle, pour usurpation de titre et de fonction, selon article 217 et 218. Et nous me dit dans le bagage, est-ce qu'il y a nous tout le monde qui signe, qui voit le bagage ça, tout parti politique ça, nous prenons des juges là pour interdire pour y aller à l'élection et tout le monde qui représente le parti politique ça pour juge là interdire parce que c'est des complices. Article 44, code pénal là, il est clair. Il parlait des complices. Puisque famille Laval a fait à l'élection, et des pas à l'élection, petite descente pas à l'élection, tout ça, tout le monde est signé qui te référé à cette mounsa yo. Dans la citation directe correctionnelle, nous allons faire, nous avons pris pour des complices. Et immédiatement, nous allons demander. Nous allons demander pour interdire les droits civils et politiques. Et parti, on a demandé pour interdire pour ne pas participer à l'élection. Parce que ils ont violé la loi. Parce que ils sont complices dans l'usurpation de titre et de fonction. Et article 217, 218, constitution. 217, 218, et 44, code pénal là est clair. Avec les nègres, nous allons faire un complot sous le peuple. Nous tout dire retirer quand on a ça, ils ne vont pas faire l'élection. J'en dis là, pour nez qui dans le gouvernement, vous créez le gagner pour y aller. Pas cabinet de destruction, pour un crime qui est le crime de haute trahison. Je parle pour ministre. Vous créez le cabinet de destruction pour crime de haute trahison. Nous même dans le bloc avocat, nous clés sur ça. Dans le MUDA, vous clés sur ça. Et tout votre allié, tout votre groupe qui a bataille dans la cassation, vous clés. C'est peut-être ça nous même. Si on ne peut pas remettre Kaleb au côté du on a négocié la cassation et pour moun qui dans cassation du menti mais Kaleb ta avocat expérimenté m'ai 20 ans de bataille m'ont tout nèg da di m'ka négocier pour moi dans nos pays là même pas comme ça m'a dit m'pas comme ça pays a besoin m'pas comme ça constitution dit m'pas li Machiavel m'pas nous équipe grand auteur mon équipe même qu'on lit pour m'ta dire c'est yo m'ka ba décider pour pays ça mais dis non. Et puis nous gagnons également, nous exigeons sans condition pour un juge dans la cour de cassation prétentiellement. Bon, dis-nous, il y a des gens qui ont posé la question. Pourquoi nous avons des représentants de la cassation là? Je ne sais pas quoi nous faire, juge par juge, je ne sais pas quoi nous faire. Je ne sais pas quoi juge, je ne sais pas quoi juge de cassation. Qu'est-ce qui est dans la scène? C'est l'institution. Parce que la constitution dit clairement, mais comment ça vous fait? Mais qui est-ce que nous-mêmes? Nous demandons respect à la constitution, nous ne pouvons pas faire tel juge par tel juge. Nous demandons respect à la constitution, c'est ça que nous demandons. À faire juge, la juge n'a pas intéressé. Et nous continuons à battre jusqu'à ce que nous arrivions à respect à la constitution pour un juge. Prétentiellement, selon l'article 59, constitution 1987 qui va déjà amender. Et nous là, nous avancé. Pour nous avancer, messieurs, dames, la presse, de, je me dis avec. Monsieur Maxon, Polite. J'aimerais dire avec Madame Poto, j'aimerais dire avec Zécule et tout le monde. Est-ce que c'était moi, Caleb Jean-Baptiste, qui était sorti mon ité ça? Meni, oui. Est-ce que c'était moi? Meni, mon ité ça. Meni. Est-ce que c'était Monsieur Maxon qui était sorti? Est-ce que c'est Madame Rebecca Poto qui était sorti? Vous pouvez vous dire, mais oui. Mon qui est signé, c'est Ariel Henry, et M. Ariel Henry, Emily Prophète, et Lucas Pierre, et Michel Patrick Bravet, Pradel Osmond, et toutes les ministres. Pourquoi ça a été créé? On va créer le haut conseil de transition. Nous avons une attribution au conseil de transition. Il va faire partie du gouvernement. Là, au premier ministre, vous démissionnez. Ou pas démissionner pour le conseil de transition parce que même ça yo yo pas membre gouvernemental yo te gon attribution particulière. Est-ce que nous comprenons bien qu'elle va prévoir la constitution yo te ba une attribution particulière avec dit démission monsieur Ariel Henry li pas démission moun sa yo. Est-ce que nous comprenons ça passe kounya là monsieur le journaliste? Est-ce que nous comprenons? Avec dit, nous avons passé là, Madame Hippolyte Maniga, toujours. En tout cas, M. Caleb
Jean-Baptiste qui lui-même sémenté pour que lui joigne ak moun sa yo et il pral porter plainte pour yo. Non s'entendez, net Caleb dit li pap camper lui-même, il pral entendez. Met Caleb sémenté pour que lui porter plainte. En tout cas, n'attend pour nous garder comment ça pral passer, mais j'en saute dit là la vie conseil là n'est pas facile. C'est tout coup de quatre grosse stratégie qui est utilisée par moun qui a terre. Pas connait est-ce que c'est manger à chercher, nous pas connait. Est-ce que c'est projecteur à mettre sous yo, nous pas connait. Et seul ça nous connaît conseil présidentiel ça li pral gen bagay nan men, mesdames et messieurs. Ou capable dit moun ki pou ta frappe yo, yo fè même route là. Moun ki pou ta la yo, yo fè même route. Mais gen un groupe ki gen tan ap vini là. Information ou dwe konnen, mesdames et messieurs, det indépendance pays d'Haïti a li ou fè face nan monde là. L'argent ça qui t'a pral payé par Haïti, mesdames et messieurs, il fait surface encore dernier jour ça yo côté divers médias internationaux a fait révélation sous comme ça la France te prend dans mes pays d'Haïti, la France te cassé pour être nous. Et puis mesdames et messieurs, il te fait nous payer indépendance. Gagné journal américain New York Times qui en année 2022 t'a pral sorti un article qui t'a pral publié un article pour lui-même li te montrer côté problème pays d'Haïti sorti côté misère noir li sorti mesdames et messieurs. Eh bien selon sa journal la te écrit. Li d'après le fond ti bout histoire pour nous côté li révélé 1er janvier 1804 Haïti pral proclamé indépendance li. Ça tout si moun konnen. 1er janvier 1804 au Gonaïve Haïti proclamé indépendance li. Côté après yon longue bataille contre colon français, eh bien, yo pral arrivé mette. Yon nan pi gwo lame mond lan te genyen, ki se lame napoléonienne nan, eh bien, yo mette le deyo, mesdames et messieurs. Eh bien, 2 siècles après, menan ki sa pays d'Haïti tombe. Eh bien, yo, journal la avance pou le di, yon bon mercredi matin, nan année 1828, 1825 alors, yon bon matin, nou pral voye zye nou sou lan mer, et nan praple se Jean-Pierre Boyer ki tap dirije pays d'Haïti. Nou pral voye zye nou sou lan mer, nou pral gade, mesdames et messieurs, pou nou wè yon émissaire français que Charles X, qui c'est roi français à l'époque là, voyez là avec une quantité bateau de guerre qui a flotté sous la mer avec un porte-voix dans méo avec un mégaphone dans méo. Il a demandé mesdames et messieurs, il a lancé un ultimatum sous l'ordre Charles X côté a demandé verser à la France des réparations. Faute de quoi la guerre sera déclarée. Et on dit ça, mesdames et messieurs, yo pas perdu du temps. Faut gagner une autorité dans le pays d'Haïti qui sorti pour venir recevoir yo et dit qu'il a commencé bail comme ça, mesdames et messieurs. Et bien, Jean-Pierre Boyer qui était là à l'époque, t'as pris le couchat. Parce que, faut que moi, dis-nous tout, Haïti
était isolé. Haïti était isolé dans le monde après l'indépendance. Parce que nous n'avons pas d'alliés. Après nous finissons souffleter, nous finissons chavirer l'histoire de l'humanité, eh bien, quand ce pays a décidé pour pas aligner au bon côté nous, eh bien, nous t'es lagué tant qu'on bandit cheval sous Iléa, nous pas de gens en mie. Eh bien, vous voyez que tu as pral constaté avec grosseur et vitesse où l'armée française a privé là, il dit tête li, yo obligé pays. Pression ça, li trop. Eh bien, fanatiques amis internautes, voyez pral trouver la difficulté selon journal là. Il pral commencer chercher cob dans trésor public, aller dans banque, al checker. Alors, nous ton pays fait saut de bataille, nous pas gagne trop bagaille dans main nous. Eh bien, même la France ça, mesdames et messieurs, selon sa journal new-yorkais a dit que pral gagner la France qui pour faciliter nous payer comme ça, li pral gagner un banque la caille qui décider pour payer nous, pour prêter nous comme pour nous ca payer yo. Quantité comme boyer t'a prend dans pays d'Haïti, t'a prend masse pas boy ici. Pour lui même li payer d'être indépendance n'a pas arrivé. Eh bien la France yo pral mette yon crédit sous pied selon journal là pour nous même nous prêter nan men yo pour nous ka payer yo. Autant de Salmanaza. Yo prêter nous cob pour nous même nous payer yo dette indépendance. Eh bien comme ça mesdames et messieurs, il était évalué à 150 millions de francs. Et jodia, selon journal ça, mesdames et messieurs fanatiques amis internautes, comme ça, yo évalué à 560 millions dollars américains et à 625 millions euros. Évaluation ça, il était fait par quotidien New York Times dans l'année 2022. Et on te dit, comme la France doit nous, si on fait évaluation actuelle pour lui, dans l'année 2022, il était 560 millions de dollars vert. Il était 525 millions d'euros. Eh bien, malgré comme ça nous finissons là, nous sommes toujours doués. Yon banque l'autre bois. Eh bien, on pral gon banque haïtienne qui pral créer dans l'année 1880. Eh bien, banque ça, c'est en France livralier. Yon banque haïtienne qui gagne fond yo en France. Eh bien, chaque pour Haïti, elle prend kob dans banque ça, qui trouve en France, pral gagne yon quantité kob nous doit payer pour nous prendre kob dans banque ça en France. Hein? Pral gagner yon locob selon New York Times, nous même nous doit bay chaque fois nous pral prend nan kob ça, chaque fois nous pral fouer mais nan kob nous dit qui pour nous yo. Mesdames et messieurs, nous pral nan obligation pour nous payer pour nous faire décaissement. Ça me veut dire c'est comme si ou gon kob nan yon nan banque pays d'Haïti yo, et bien chaque fois ou aller pour prendre kob ou qui nan banque yo, eh bien, vous obligez de payer pour faire des caissements. Vous obligez de payer pour prendre comme ça. Fanatiques, amis internautes. En tout cas, c'est comme ça que la galère est passée. Mais est-ce que c'est seulement la France qui mette pied sous coucou, qui pille nous comme ça? Non. Je vais aller pour me présenter un dossier tout à l'heure. Gagnez tout les États-Unis, selon le même journal, ça qui dit 19 ans. Occupation militaire, l'hyperance. Et les États-Unis, ils ont pillé tout ça nous te gen là, dans l'année 1915, les Ovina, et ils pral quitté, mesdames et messieurs, en 1934. Qu'est-ce qui passe? Journal a fait qu'on est, misère pays d'Haïti, li pas daté jodia.
misère pays ça il a longtemps parce que mesdames et messieurs les États-Unis la France y a tout pisé nous longtemps. Journal a dit dans année 1914 soit mois décembre pral gagne un groupe Marines qui débarqué dans Banque Nationale dans pays d'Haïti. Yo saisi 500 000 dollars américains qui évalué à 469 000 euros. Yon groupe militaire américain débarqué, yo prend en Banque Nationale nous. Et bien, yon année plus tard, soit 28 juillet 1915, à cause vague des autres qui te gagné dans le pays d'Haïti. T'apprends le gagné la chute de l'Ilesco. T'apprends le gagné, mesdames et messieurs, assassinat Vilboin et Guillaume Sam. Qui t'apprends le cause occasionnelle là. Qui t'apprends le permettre. Américain débarqué là, 28 juillet 1915. Eh bien, selon, mesdames et messieurs, ça nous joint New York Times écrit. Eh bien, le monsieur ça arrive là, bagaille la terre red. Yo pral contrôler pays d'Haïti. Yo pral craser parlement. Yo pral rédiger une nouvelle constitution. Et yo pral mettre des marionnettes au pouvoir, des fantoches. Et tout ça, c'est dans optique pour qu'a contrôler finance nous. C'est dans optique pour qu'a contrôler toute bagaille. Eh bien, mesdames et messieurs, pral gagner journal américain hein, qui pral dit en 10 ans yon ka nan revenu pays d'Haïti yo li parti pour remboursement comme nous te doué mesdames et messieurs nan banque américaine. Comme nous te doué Américain yo vini, yo pran comme ça yo nan bank nou nan revenu nou, yo voye la kay yo. Eh bien soldat américain sa yo mesdames et messieurs qui était en Haïti qui passe 19 ans et yo pral commencer zanmi internet frape pied yo, yo pral commencer tout pizi nou, pran yon quantité bagay nou te gen la pendant mise li tap taye banda pa bo ici. Et c'est journal là qui parlait. Et après 19 l'année, yo passé dans le pays d'Haïti, là yo allé, économie pays d'Haïti était à zéro. Économie pays d'Haïti après américain quitté sol là dans année 1934, pas oublier yo était débarqué 28 juillet 1915 dans marine haïtienne. Si moun ki fait histoire yo, yo songe les amiral ki li débarqué là. Qui premier monde qui pral mouri, c'est Pierre Sully. Premier haïtien qui mouri avec occupation américaine, non, c'est Pierre Sully. Qui pral camper en face blanc américain. Mesdames et messieurs, il mouri. Mais kounya, amiral Kilik. Qui est-ce qui était amiral Kilik là? Oh oh, mais amiral Kilik ça, mesdames et messieurs. Jodi a nou wè la marine haïtienne pot non lan. Amiral Kilik nou wè la marine haïtienne pot non lan, mesdames et messieurs. C'est un haïtien, c'est un navi haïtien qui te gagné tout, zanmi internaute. Si lié avec les États-Unis, mais il te campé dans, selon information yo. Il te campé dans, nèg go na yvou fèm. Amiral Kilik. Li campé dedans et lui-même li dit que li pa bay vague campé goumé noué la marine haïtienne pour non journée jodia. En tout cas zami internaute qui s'est passé qui s'est gagné et c'est à cause de ça yo et corruption. Nèg kap dirige pays d'Haïti qui pa gagne colonne vertébrale qui pa gagne mesdames et messieurs, caractère qui pral lage nous dans sa nouye là, selon
journal américain New York Times. Eh bien, médias français yo parlé de ça. Médias français yo yo enchanté pour yo parler de causer ça. Et c'est ça que fait m'pral fort tendé yon extrait nan yon dossier là, mesdames et messieurs, nan yon émission qui t'a fait en France, comment t'a parlé de dossier pays d'Haïti. M'a invité au tendé ou à comprendre. À nous autres partis pris internationaux, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, bah oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement 1824. C'est en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars. Mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié. Donc, elle se montrait plus, davantage à 150, voire 200 milliards. Alors, ce n'est pas la première fois que c'était... Haïti oui. a dû... payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première République noire, et qui n'est pas n'importe quelle République noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la Révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture, je conseille à tout le monde de lui d'aimer Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire « vous avez été colonisé ». Pendant toutes ces années-là. Donc, maintenant, vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors, même avec les réserves que je peux avoir dans la réécriture historique, ça va, quand même. Donc, je pense que, quand même, il y a une légitimité. Mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains, parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque nationale d'Haïti, les ramène aux États-Unis, pose avec et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934, ils partent et jusqu'en 1947, ils demandent à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc eux aussi, ils doivent payer. Il y a une Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les 41 dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections truquées, c'est impossible. Et je crains, et c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus, et Haïti mérite tellement. Vous s'entendez? M'espérez comprendre. Et c'est même ça me t'a dit là, madame nan, li t'a dit dans l'émission ça, qui t'a fait sous TF1 en France. En tout cas, nous t'entendez cause mal nous, même Jean Edmond Paul écrit les causes de nos malheurs. En tout cas, mesdames et messieurs, pays d'Haïti, li pa konn qui vrai cause d'al, par contre, côté d'où laisse à sortir tomber dans le col. Information concernant kidnapping spectaculaire qui fait
dans le département Grand-Anse, pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, fanatiques, amis internautes, ailleurs, le réseau a chauffé. La police kidnappé un petit bébé. Policier rentré kayon citoyen, yo kidnappé yon ti moun. Bagay sa, di bay gwo ke kase, an pil moun sezi, ap mande ki sa information te. Yo relem yo dim, ki sa m konen de question kidnapping sa fèt nan Jérémy. Eh bien, lem kontakte, le malfoué zo nan Kalalou, mwen jwenn, nan nuit 19 avril 2024. Nan ville Jérémy, yon bébé ki genye 14 mois seulement pral wè yo kidnappé. Et ça pral soulevé de vives réactions nan région. Et genye des organisations kap travay sou question ou encore kap travay kont la traite et le trafic des enfants qui rele amwe, ça va ka passer comme ça. Mais information qui s'allie. D'après information qui rive joint nous, genye agent la police poste l'audio, pi gwo institution pays a genye en matière de sécurité qui pral décider mesdames et messieurs rentrer pour yo mettre main sur yon bébé. Dans quelle circonstance? Gen Lenéus Renel qui touye Adrien Louis et frère monsieur ça qui c'est Adrien Louis a yo touye a li même ni pral rivé nan kay Lenéus Renel là. Hein? Tendez ça? Renel touye Adrien et Adrien gagne un frère qui allait qui prend quelques policiers yo vini kay Renel qui touye frère là. Eh bien mesdames et messieurs, la kay marine bébé a yo pral vini ak policier sa yo, yo krasé, yo brisé, et mesdames et messieurs, yo pral pran ti moun 14 mois sa, yo lagé avèl. Yo pral pran ti moun 14 mois sa, policier yo ak yon frè citoyen ki mourian, yo pral yo al avèl. Eh bien, mesdames et messieurs, gen organisation IDET, Jean Sodia, qui spécialise la question ou encore contre trafic des enfants, qui condamné avec fermeté séquestration ça, et ont mandé une prise en charge psychosociale, médicale et juridique pour ti bébé a. Et IDET exige à autorité pour prendre des sanctions, des mesures contre agent police qui posait grosse action ça, qui fait gros actes ça dans département Grand-Anse pays d'Haïti, précisément dans ville Jérémy, mesdames et messieurs. Vous savez, la police qui kidnappait un petit bébé et yo rentré, yo crasé, yo brisé, yo prend petit moun nan à la velle. Ça qui passé, eh bien gagné citoyen et Lenéus Renel qui touye Adrien, eh bien frère Adrien prend policier yo rentré nan kay mesdames et messieurs citoyen qui était touye frère et lè rive et ça oublié yo pa fait moun geta lagé pie yo et yo jwenn un petit bébé yo saisil yo kidnapel y ale avèl et la police li pa exempt de scandale ça mesdames et messieurs yon bagay qui fait un pile parler nan Jérémy. En tout cas information pap campé sou gros réseau a en pile moun a mande ki sa bagay sa ye côté pays a pralé. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous tout, nous toujours dit le bouik chargé pa campé mais nous obligé nous sont déchargé
Nous avons des pour nous décharger toujours, nous allons rencontrer. Dans la prochaine émission, pour plus d'informations, pas oublier, réseau salaire, les médias haïtiens, et le passé, émission Allo Haïti. Nouvelle Jodia, ben nous coûte tout dans diffusion et rediffusion, mesdames et messieurs. Émission ça, et nous toujours dit, nous, sommes toujours là pour nous servir tout autant. Bon Dieu, la vie, il prête nous. Nous même aller la rencontrer dans la prochaine émission pour plus d'informations. Pas oublier, c'est la gain causée pour tendre. Et si maintenant, il va kabouiller une nouvelle encore. N'allez la rencontrer dans la prochaine émission.